comme tout le monde, je crois. Ouais, on fait une première mi-temps en dessous de tout, quoi. C'est-à-dire même dans les intentions, dans le fait d'aller les chercher. Le mot d'ordre, c'était d'aller chercher, de déclencher, de mettre beaucoup d'agressivité dans nos attitudes. Et on était en dedans. Alors après, ça devient une mauvaise habitude de prendre un but dans les entames de match. Premier corner, but, voilà. Donc c'est très difficile. Alors même s'il y a une réaction en seconde période, on ne peut plus se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de ça. Après, à la réussite, pas la réussite, mais il faut être capable de démarrer des matchs à domicile avec les intentions qu'on a eues dès la seconde période. Donc c'est beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. C'est inquiétant sur cette première mi-temps et puis sur le résultat final. Finalement, on se dit de ne pas battre le 20e à la maison. Bah, de toute façon, oui, c'est inquiétant. Les chiffres parlent. Hein. 11 matchs, 7 points. Donc bien sûr que c'est inquiétant. On n'est pas dans une... dans un rythme de croisière, quoi. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Alors oui, on joue contre le 20e ce soir, mais on sait que le PFC a cette capacité à bien défendre. Et sur ce genre d'équipe, il faut pas être mené dans l'entame, quoi. Donc évidemment que au-delà du scénario qui est pas bon pour nous, derrière il s'est rien passé en première mi-temps. Donc et effectivement, il y a des joueurs qui n'ont pas été forcément à leur niveau ce soir, mais bon, après ça c'est collectivement, il doit y avoir une réaction, quoi, derrière. Et donc effectivement, c'est une grosse déception ce soir de perdre ce match. Ludovic Lagasse, de la République. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Nicolas, qu'après un mieux très, très net dans le jeu, le soufflet retombe comme ça d'un coup? Ouais, c'est difficile parce que le truc, c'est que les deux matchs qu'on a fait, c'était à l'extérieur et on a vraiment du mal à jouer ici. Donc, je sais pas, il n'y a peut-être pas de blocage, quoi, parce qu'il n'y a pas de pression. Les supporters sont quand même assez bienveillants. Donc, oui, effectivement, une grosse déception. Alors que la semaine avait été bonne. Alors, c'est vrai que sur ça, il n'y a pas de vérité, mais elle avait été même très bonne. Le mot d'ordre, c'était vraiment de rentrer dans ce match-là, mais bon, malheureusement, contre Grenoble, c'était ça aussi. Là, c'est pareil. Donc, effectivement, oui, le mot qui ressort, c'est la déception de la première période. Oui. Alors après, oui, on essaye de réagir, mais malgré tout, même si on avait marqué un but, ça nous aurait fait du bien. On aurait pris un point, on nous aurait laissé derrière, mais c'est pas ça qu'il fallait aller chercher ce soir. Surtout qu'on l'a pas vu venir, hein. Franchement, ce match et ce résultat. Ouais, après. On ne peut pas dire que sur les 11 premières journées, on n'ait fait que des matchs de grande qualité. Donc, bien sûr qu'on ne le voit pas venir. Hein. Même nous, quand on prépare le match, on ne se dit pas qu'on risque d'être mené, on risque d'être bousculé. Mais cette équipe a très bien défendu, avec beaucoup de densité. On a eu des situations de centre, mais on n'a pas réussi à se mettre en position idéale. Donc oui, très dur. Ouais, ben Fanta avait fait deux bons matchs, quoi. Il avait fait une très bonne rentrée contre Grenoble. Il avait été très bon au Havre sur 75 minutes. Et l'idée, c'était qu'il fasse ce travail de sape pour permettre peut-être à Alexis derrière de. Mais effectivement, force est de constater que sur la première période, l'équipe qui a été alignée, elle n'était pas forcément très pertinente. Alors les choix, c'est moi qui les fais et j'assume totalement. Après, les réponses, c'est les joueurs qui les apportent, mais j'aurais pu avoir un peu plus le nez creux, peut-être, effectivement. Mais tu disais, c'est vrai, les deux matchs positifs ont été faits à l'extérieur. Et qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer c'est quoi? C'est un manque d'imagination à domicile? C'est pas réussir à comprendre? Ouais, on a du mal. Ouais, on a du mal. On a du mal, effectivement, à contourner des blocs, à faire du jeu, à trouver des espaces sur des défenses bien regroupées. Mais au-delà de ça, même si on n'arrive pas à trouver des espaces, il faut rester solide. Et si on prend un but au bout de 13 minutes, à 0-0, le match peut se dérouler autrement. Donc c'est vraiment une mauvaise habitude. Alors je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais que ce soit l'AC Ajaccio, que ce soit tous les matchs qu'on a joués à domicile, on a souvent pris des buts dans l'entame. Donc c'est, si vous me dites que c'est inquiétant, bien sûr que c'est inquiétant. Laurent Fortabu de TV. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, individuellement, les joueurs étaient plutôt percutants, plutôt pas mal. C'est collectivement, on a l'impression que la relation au milieu-attaque, il y a beaucoup de problèmes. Ouais, c'est effectivement. Effectivement, c'est du mal à trouver les enchaînements, du mal à trouver les passes obliques des milieux vers les côtés pour trouver éventuellement les latéraux. Les joueurs qui sont rentrés, beaucoup d'abnégation, quoi, que ce soit Gongalves, que ce soit Chouaref, beaucoup d'envie, mais c'est un peu désordonné, effectivement, collectivement. Donc, il a manqué le lien. Ouais, le lien. Au milieu, on s'est quand même fait pas mal bouger, quoi, contre cette équipe-là. Donc, après, il ne faut pas... Faut pas faire. Enfin, moi, je suis pas là pour faire un bilan individuel de chaque joueur. Il y a eu des manques, mais quels que soient les scénarios de match ou les performances des joueurs individuellement, on doit être collectivement être capable de redresser la tête et de permettre aux partenaires de se remettre dans le droit chemin.
match qui vient. Ouais, c'est on va à Orléans, bien sûr. Donc, bien sûr qu'il faut mobiliser le vestiaire, mais c'est un adversaire qui n'est pas loin de nous sur le plan comptable, mais on s'aperçoit que quelles que soient les équipes qu'on joue, on peut être en difficulté ou on peut mettre en difficulté, même si depuis le début de saison, on est plus souvent en difficulté que le contraire. Donc oui, il faut remobiliser, il faut faire preuve de caractère, voilà, de caractère. Tous, il faut qu'on fasse preuve de caractère et être capable d'aller chercher des points. De toute façon, il faut marquer des points, hein. Et là, on est vraiment en retard. Est-ce que tu estimes que cette équipe du Paris FC, en fait, elle vaut bien mieux son placement, notamment au regard de ses dernières recrues, ou est-ce que pour toi, c'est une équipe qui nage dans les mêmes eaux que Châteauroux, ou ça vaut mieux que ça? Bah, c'est une équipe solide qui a fait le même genre de match contre Troyes, puisqu'il marque au bout de, alors je crois que c'était dans le premier quart d'heure aussi, et derrière, il faut un match où l'adversaire se crée très très peu d'occasions, donc c'est deux matchs qui se ressemblent par rapport à Troyes, mais nous, on n'est pas dans la position de Troyes. Donc l'année dernière, j'ai le souvenir d'une équipe qui avait fait ce même genre de match. On avait eu moins d'occasions la saison dernière, mais c'est une équipe qui se base sur sa solidité, et quand on mène 1-0 à l'extérieur, pour eux, c'était le scénario idéal. Parfait, merci beaucoup Nicolas Musaille, l'entraîneur. Très satisfait. Après, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'était difficile. Hein. C'était un match très difficile, tendu, beaucoup de pression. Malgré qu'on a bien commencé, poser les jeux, puis ensuite, ça commence à être très très compliqué, très difficile, contre une équipe aussi qui jouait aussi un match important avec un jeu direct, il nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, on a bien défendu, pour résumer, et on s'est créé quand même d'autres situations qu'on aurait pu marquer aussi, but sous les actions bien amenées. Notamment voilà. En début de deuxième mi-temps, vous dire. Tout à fait. Après, vous savez que ce n'était pas le meilleur match que ce que vous avez vu, des Paris FC et Châteauroux non plus, mais l'importance des matchs, je pense que ça a quand même empêché les joueurs aussi d'être un peu plus libérés. Voilà. Nous, on est très très contents, parce que ça nous donne quand même... Une grande bouffée d'oxygène. Ouais. Ludovic Lagazette, la Nouvelle République. Ça fait deux matchs de suite que vous gagnez 1-0 en défendant bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver le Paris de la saison dernière où vous avez eu beaucoup de victoires de la sorte pour le parcours? Mais j'aimerais bien retrouver Paris FC dans l'année dernière. On était très, très bon défensivement, on était très bon offensivement. Surtout pas oublier qu'on était quatrième, l'équipe sous les possessions de l'année dernière. Après, vous savez, c'est une nouvelle saison, notre équipe avec beaucoup de changements. C'est pas facile du tout de mettre des choses en place, mais j'espère qu'il y aurait d'autres victoires, notamment 1-0. Je serai très 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 satisfait. La saison est peut-être lancée, même si ça n'empêche pas que vous avez raté votre début de saison comme Châteauroux. Là, vous venez de prendre 6 points sur 6 quand même, hein. Ça fait un bien fou. Ah oui, ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment du bien et j'espère que voilà, on est conscient de travail en cours qu'on doit le faire pour je dirais, rester dans une zone un peu plus calme, plus tranquille. On va le faire, on va travailler. On a 2-3 jours qui n'étaient pas là ce soir, qui vont revenir après les blessures. Et puis j'espère encore une fois, il y aurait d'autres victoires et surtout encore meilleures par l'IFC. Laurent Fontaine de BTV. Votre recrutement agit comme un déclic pour votre vestiaire? Vous savez, il s'agit d'un très très bon joueur, très bon garçon. Et puis pour ça, il est là. On espère de voir Jérémy. Avec ses moyens, vrais moyens. Il n'est pas encore tout à fait 100% physiquement, mais... Il a combien là, 60, 70 plus? Vous savez, oui, à peu près, quoi. Mais après, c'est un garçon qui est très, très intelligent, techniquement très, très bon. Et puis, je suis sûr qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on est très satisfait aussi d'avoir. Maintenant, c'est à lui aussi de travailler. Il sait que c'est un championnat qui est très difficile. Voilà, il a attendu aussi. C'est à lui aussi d'être prêt à répondre à toutes les exigences de cette championnat. Qu'est-ce qui vous a apporté ce soir? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce match? Bah, vous savez, dans la situation, il est très, très très calme, très posé, il a très bon passe, bonne conservation des ballons. Voilà aussi, il parle au joueur, mais encore une fois, il n'est pas encore à son meilleur niveau et je suis sûr que vous allez voir très très bon Jérémy Menez. Parfait, d'autres questions? Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est gentil.